Salut mon petit chaton. Salut mon chéri, comment tu vas? Ben ça va, hein? Comment? Oui. Je vois que tu ne perds pas de temps. Ben oui, c'est sûr que là, oui. Tu as bien dormi. Enfin, si l'on veut, après que tu as arrêté de manger. Ah, parce que c'est un petit coquin. Bon. Et toi, tu as bien dormi? Ben moi, comme un bébé. Un bébé, on en a peut-être fait un cette nuit, va savoir. Ah oh. Mais ne t'inquiète pas, je prends toujours la pilule. Ah. Mais un accident est si vite arrivé. Oh. Je te parle de notre avenir et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tes amis sur Facebook? Ben oui, Facebook, oui. Je vais te parler peut-être d'un sujet qui fâche. Ah bon. Combien de temps allons-nous garder celui-là? Qui? Oui, Denis? Denis. Bon, c'est du provisoire, hein. Du provisoire, ça fait 6 mois que ça dure. Pas le jeu, la rue, non. Écoute, il était déjà chez moi, et chez moi, c'était déjà ici. D'accord, d'accord, c'est clair, hein. Oui, mais il a juste déménagé comme on dit pour aller sur le clic-clac. C'est mon ex, après tout. Moi, je pensais que ça ne me dérange pas du tout. Et mais moi, ça me dérange. Bah, où c'est que tu casses la vie tout de même? Oh. Et on ne va quand même pas l'adopter. Il n'a pas eu de chance de la vie, le petit. Oui, mais vu cette situation, moi, je ne me connais pas pour faire un bébé. Eh, hein. Hey, il faut que je m'investisse dans quelque chose. Hein. En attendant de trouver un job. Hein. Hein. Ou au moins, tu préfères que je reste à rien faire. Hein. Et à déprimer. Bah, on va s'en sortir. Hein. Oh, mon petit cœur. Hé, regarde, je pense qu'il dort profondément. C'est vrai, c'est vrai. Il bouge pas le pauvre là. Oh là 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 là, c'est vrai, il dort. Hein. Tu sais, hier, il avait mal à la tête. Petit, hein. Alors je vais donner 2 aspirines et 1 somnifère. Oui, ah. Et pourquoi tu crois que c'est pas trop? Ah, tu trouves? Ben c'est vrai, il est peut-être allergique. Hein. Ce que tu te rends compte si ça n'allait pas. Et ce que tu lui as demandé peut provoquer une hémorragie interne. Oh. Parce que si la balle à sa tronche, c'est le cadre de ta mère que je ne pouvais encadrer sur la tête. Pourquoi t'as fait ça? Il a voulu me sauter. Oh le petit salaud! Entre toi qui le drogue et moi qui l'encadre, on ne peut pas faire passer ça pour un accident domestique, c'est pas possible. Oh, je te sais pas, ce matin, c'était trop. Eh bien, c'est bien, tu vas peut-être pouvoir aller chercher du boulot. Bon, il reste du café. Oui, vas-y, démerde-toi. J'ai compris, je vais en faire un. Et tu n'aurais pas rêvé par hasard que tu aurais trouvé un logement, ça serait bidonnant. C'est vrai qu'à 3 dans un 2 pièces, on va finir par être les uns sur les autres. C'est vrai que ça sent le fauve, hein. J'ai compris, je vais prendre une douche. Je me demande si j'aurais pas préféré qu'il soit mort plutôt. Tiens. Il n'en va pas. Je cherche mon cadre. Tiens mon cadre. Tiens, voilà. Et je vais lui parler. Non, tu ne vas pas lui parler. Pourquoi? Je ne sais pas, tu ne vas pas lui parler. Parce que tu avoueras qu'avec mon ex sur le clic-clac, c'est quand même pas. Ben, ça fait ménage à 3. Si seulement il faisait le ménage. Avec Colette Sicard. Oui.